Eh bien, salut à tous. Si je vous dis actualité, vous me répondez coronavirus, et c'est bien normal, on ne parle que de ça, c'est ce qui fait l'actualité. Eh bien, ensemble, on va découvrir trois petits jeux qui ont été créés sur ce thème. Pas forcément des jeux super, mais des jeux divertissants qui sont gratuits, donc qui pourront peut-être vous occuper. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence donc sur un petit jeu français, Restez chez vous, ça s'appelle, voilà, avec des petites consignes de sécurité simples à respecter, se laver les mains très, très régulièrement, tousser dans son coude, bien évidemment, là vous toussez en faisant un petit dab, tout simplement, c'est simple à faire, donc faites-le, et surtout restez chez vous, c'est encore plus simple à faire, on ne vous demande pas grand-chose, donc respectez au moins ça. Bref, le jeu s'appelle Restez chez vous, apparemment il va falloir distribuer des amendes aux gens qui ne restent pas chez eux, on va voir ce que ça vaut, c'est parti. On va voir ce qu'on peut faire. Ok, donc faut distribuer des amendes. What? Oh la violence! Mais c'est pas des amendes qu'on leur balance, c'est des pavés dans la gueule, moi. Rentre chez toi, connard! Qu'est-ce que vous faites dans les rues? Putain, on voit que c'est en France, on voit que ça se passe en France. Il y a qu'en France, c'est comme ça, hein, on va pas se mentir. Dans les autres pays, on leur a dit une fois, hein, ils sont restés chez eux. Chez nous, pas frère. Chez nous, frère, c'était à fond la saucisse, hein. Les gens s'en battaient les couilles, hein. Non, ils sont même, il y a beaucoup de gens qui sont malades, il y a des gens qui décèdent, c'est bizarre. On ne dirait pas près de millions. Entrez chez vous, bande de cons! Bam, 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 bam! Où tu vas? Rentre chez toi! Où allez-vous? Rentrez chez vous! Il y a tout le monde qui est mort dans cette putain de rue. Putain, je me suis déjà fait 7 560 $. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, non, 7 560 $ quand même. J'avoue que là, ouais, on se fait des couilles en or là. Merci les Français de sortir, merci, allez. Nick. Ah ouais, non, mais là on est riche. On est riche là. Très clairement, on est riche. Où tu vas toi? Et vous là, bande de cons, rentrez chez vous! Oh là là! Écoutez un peu les consignes! C'est pas possible ça! Où tu vas toi? Et toi là, rentre chez toi! Alors de la blonde là-bas, je la snipe. Pouh! Mais c'est excellent! C'est excellent! Allez, mouvez! Mouvez, rentrez chez vous, pardon! C'est pas la même chose, non, mais. Bah, si on rentre pas chez vous, mouvez par contre! C'est ballot, donc autant sortir! Tu vois pas que c'est fermé le parc, il y a des barrières! Putain, mais ils sont vraiment cons les gens! Ah merde, on arrive à la fin, on arrive à la fin! Putain, j'ai 12 000 $, 12 000 $ de ramasser! Là, les amendes, elles pleuvent! Putain, mais gros, mais. Ça serait tellement bien qu'ils prendraient des palais comme ça dans la gueule à pas rester chez eux! Punaise, bon petit jeu déjà, première découverte, très intéressante là! Donc j'ai verbalisé 93 personnes sur 203. Ah ouais, et je me suis quand même déjà fait 12 555 €. Oh, punaise, d'accord, précision 60%. Je ne suis pas extrêmement précis. On peut améliorer tout ça, mais on verra ça peut-être une prochaine fois. Et le second jeu donc s'appelle Corona Match. Le mec s'est pas fait chier à me créer un mode VR pour son jeu, donc il s'est vraiment donné du mal. Donc on va voir si ça vaut en partir en normal. Par contre, j'ai pas envie de brancher le casque. Ok, donc le mec a créé un putain de FPS pour lutter contre le corona. Donc voilà, on est chez les Américains. Clairement, là, 100%, on est chez les Américains. Là, hein. Si c'est avec des armes à feu contre le corona, tout va bien. Hop là, on a vu la bêtise française. Non, voilà, bêtise américaine. Mais en tout cas, ça a l'air plus efficace, là, encore. Attention. Ah oui, mais c'est quand même assez stylé. L'idée est vraiment bonne. On peut switcher entre les couleurs, là. Et on va devoir éliminer les couleurs, tout simplement. Donc c'est stylé. Franchement, c'est... C'est pas une mauvaise idée en soi, hein. Je trouve ça très stylé, très très stylé. Ok. L'idée est pas mauvaise, donc j'applaudis, j'aime ça. I like it! Ok, bam bam. Bam. Oh, what? Ah ouais, je suis devenu américain, regardez, regardez, regardez. Regardez ça, je suis devenu américain. Attends, je peux lancer une papier toilette, c'est quoi ça? F. Il a vraiment adapté à tout ce qui s'est passé avec ce corona. La fameuse folie du PQ. J'ai dit PQ, j'ai dit PQ, mais là on s'en fout pour l'instant. J'ai mieux à faire, merde. Mais il reste plus que ça. Il reste plus que quoi? Il en reste plus. Ah si, il reste plus que lui. Ah bah go. Pas se casser le cul. Ah ouais, en plus il y a plein de levels et j'ai pas tout débloqué encore. Ah ouais, franchement.
Franchement, ça a l'air super sympa quand même, hein. Ça a l'air quand même super cool. Ils ont créé un FPS un petit peu particulier, donc c'est vraiment original. C'est à tester si vous vous ennuyez. Voilà, le dernier jeu qu'on va essayer s'appelle Peppa Fatal. Voilà, apparemment, on a quand même un petit PQ qui va avoir des petits ennuis. On va voir ce que ça vaut. C'est parti, go Peppa Fatal. Go, go, go. Allez, c'est parti. Allez, franchement, c'est pas moche, hein. C'est pas moche. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok, il faut faire quoi? Faut éviter les obstacles. Ok, je pense qu'on va être de plus en plus vite du coup. Très bien. Wow! Il y a même des mains qui essaient de t'attraper. Bah oui, les gens. Non, les gens voient du PQ, ils veulent forcément l'attraper. D'accord, on a notre vie en haut à gauche. Bah, je pense qu'on peut. Ouais, recharger notre vie. Non, lâche-moi! Oh mon dieu, mais comment on évite les mains? C'est tellement compliqué. Elles sont tellement rapides, les mains, c'est ouf. Oh merde. Oh, j'ai même pas vu le petit truc par terre là. Ok. Non, mais comment j'évite ça? Ça va tellement vite, ça va trop vite pour moi, ça. Mon dieu. Mais lâche-moi! Mon dieu. Voilà, bah maintenant je vais mourir. Bravo. Oh là là. Ouf, ça passe de peu. Ok, la main est partie de l'autre côté. Ok, j'ai de nouveau la vie à fond. Wow! Et ça devient chaud parce que je vais de plus en plus vite. Non! Mais les mains elles vont trop vite, je ne sais pas les esquiver. J'ai bien pas assez de réflexes pour ça. Ah, j'avais même jamais vu du coup. Quand t'as plus beaucoup de vie, en fait, le rouleau il se vide. Regarde, je suis bientôt vide là. Je suis bientôt un rouleau vide. Oh, regarde là. Oh, ouais, bah là, je suis vide. Ah non, j'avais encore le droit de prendre un coup. Ok. Ok, j'ai encore le droit de prendre un coup. Bah, il suffit qu'une main me chope. Oh là, j'ai chaud. Bon, ça va faire 6 minutes que j'incarne un rouleau de PQ. C'est bon pour vous là? Ok, j'espère que c'est bon pour vous parce que là, on va arrêter. Hein. On va arrêter, c'est bon. Hein. Je vais me convertir en PQ, sinon ça va pas aller. Hein. Et bien voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez découvert 3 petits jeux qui pourront vous occuper. Moi, je vous dis à très très bientôt pour prochaine vidéo, prochain live, etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir. À la plus. Ciao tout le monde. Bye bye.